Off to the farm, are you? I'm gonna speak up for you, you know, at the court-martial. It might do you some good. I doubt it, but... Thanks. Wilson, with me, I need a gunner. Over here, I'll do it. Rackham, let me help. You don't deserve to fly. Wilson, if I'm gonna die, I'm gonna die up there. Come on, let's do this. You sure you don't want to sit this one out? Not a chance. You owe me a bloody medal! All right, I got this. Are you with me? Of course I'm bloody with you! Oh, c'est épique. La petite baston au-dessus de Londres. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Ah ! Il a qu'à toucher. On va piffer, on sait jamais. J'arrive, camarade. Il sent bon comme ça, quand même. Hein. C'est des Allemands, mais là, faut bien reconnaître que ils sont sacrément bons. Ok, il est pas mort, ça a pas suffi, je sais. Je répare juste un coup et on y retourne. Moi je vois rien que la fumée. Ok, il est détruit. Oh, c'est tellement épique. Oh, c'est tellement épique. Ils sont à qui les dirigeables? Ok, encore un. Il est juste en dessous. Enfin, il est juste derrière en fait, surtout. On va essayer de manœuvrer pour être dans son dos. Ok, nickel. Salaud. Salaud, il a bien joué. Oh, c'est épique, c'est épique. Wouh! Doucement, les gars! Ok. C'est allemand ça ou... Ok. Pour le roi et la patrie. Ok, Edin. Bon, j'ai un peu foiré, mais... Cela, je pense pas que les tourelles... Enfin, les tourelles. La mitrailleuse va faire grand-chose. Faire qu'on y aille. La bonne roquette. Nickel. On va quand même faire un petit passage. Sans rentrer dedans, s'il vous plaît. Bon, c'est dans des moments comme ça qu'on est content que le jeu soit assez permissif. Parce que bon, rentrer dans un avion... Oh merde. Ok, ça suffit. On va réparer. On a le temps de réparer, le temps que ça recharge. Hop, nickel. On va prendre celui-là.
Ouais, c'est le gunner qui me fait mal. Hop. Ok. Ok. Il a une position, mais il est mort, donc c'est pas très grave. Il est où le... Là, ça. Ok. Allez, plus que deux. On tient le coup. Ok, ça c'en est un. Non, ça c'est un gros. C'est un petit, pardon. Hop. Ok. Là. Non, c'est des petits. Il est où le gros? Je le vois pas. Il est plus bas, je pense. Ça reste des bombardés. Ah, je vois pas. Là. Ok. Allez. Hop. Voilà. Hop, il est là, c'est lui. Le petit behemoth là. Ok, bon, ça va tanker, hein. Ça va tanker. Oh waouh. Le bon dirigeable là. Ok. Bon, là ils sont derrière. Ah, je prends trop cher des gunners. Ok, on va focus le même. Oh, je l'avais pas rechargé. Ah, ça c'était bien unlucky. Il me restait une roquette. Vraiment, je pense à tirer tout en fait. Ok. Ok. Ouais, t'inquiète pas. Je sais pas si les dégâts sont localisés. Waouh! Ou pas. Ah mais c'est pareil, il restait une roquette encore. Putain, j'ai vraiment du mal à tout tirer en fait. Je switch trop vite en fait sur la mitrailleuse. Ah, saleté. Ok. Ok. Ok, là t'as pris. Bah ça va surtout tomber en dessous en fait. Ah, il m'en reste une encore. Il m'en reste une encore, ok. Après on mitraille. Pourtant je reste tout appuyé, c'est bizarre. Ok, bon là, un dernier passage et c'est bon. Allez, avec les compliments de la maison. Non.
On est sur le freaking dirigeable. Putain, quand on voit la taille de l'avion par rapport au dirigeable, c'est des monstres de fer, quoi. C'est des monstres de fer, quoi. Oh, c'est énorme, c'est excellent. Oh, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Au-dessus de Londres et tout. Ok. Ok. Holy shit. Ok, bon, en même temps on sera plus à l'abri à l'intérieur que... Wow, il se passe quoi là? Ah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent, je trouve. Ok. Bon, ouais, ils nous embêteront pas. Ok. Ah ouais, je suis en dessous. Let's fucking go. Ok, en vrai le Colt fait le café. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est vraiment magnifique, hein. Dangereux mais magnifique. Ah, mais ils savent que je suis là en fait. Ok. Heureusement que j'ai mis une tête parce que... Le décor est bien... Allô ? Ok. Ok. Je pensais que le... j'étais dans la tête, sur la tête pourtant. Ok, ok. Oula, qu'est-ce que tu fais à mon corps? Allô? T'es en train de me t-bag ou... Ok. Bon, ils nous ont repérés. Donc écoutez, hein, on est repérés, donc on va pas... Hein, on va arrêter de... Voilà. Hop. Y a pas de soucis les gars, vous m'avez repéré. Ah d'accord, toi t'es là déjà toi? Ah d'accord. Ok, il a pris une one. Ok. Je sais pas vraiment par où passer, je vous avoue. Ok. Ah oui. Ah bah oui. Ouais, ouais, on a compris. On a compris. On va focus ça. Oh, c'est épique. Oh, c'est épique. On va se faire des petits... J'ai voulu tuer le mec, je peux pas. Un peu dommage quand même.
C'est bon. Non, c'est pas bon. Oh wow. My story. A selfish man who risked his own life to save another, and in doing so, found he was saved himself. Things get mixed up in wartime, though, and you'll probably hear other versions. A rogue pilot who stole a plane, who killed his buddy, then lied, cheated, and murdered his way across half the Western Front, only to escape court-martial in the chaos of an air raid. But don't listen to any of that. What you heard from me is the truth. I wouldn't tell you if it wasn't. Would I? Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Non, je pense qu'il l'a vraiment sauvé et tout. Ok, waouh! Eh ben, nickel. Nickel, nickel. Waouh. C'est marrant parce qu'il y a des entrées du codex et des trucs à ramasser pourtant. Mais en avion, on peut pas. Défi. Ouais. Ok. Ben, oh, c'est kiffant. Non, c'est kiffant. Non, non, c'est vraiment kiffant. C'était tellement différent. Bon, logique, vous allez me dire, parce qu'on était dans les airs, mais vraiment différent du chapitre d'avant, en fait, où on était en tank. C'est bon, c'est le même principe, hein, faut tuer avant d'être tué et faut se réparer. Mais ouais, c'est assez chaud. C'était bien kiffant, bien kiffant. Et puis là, la fin, là, au-dessus de Londres, enfin, complètement épique. On finit sur le dirigeable, non mais, enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Enfin, c'était totalement insane, hein, comme dirait notre ami britannique. Waouh. Bah, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. À part, bon, à part les bindings qu'on peut pas faire comme on veut. Et mais sinon, ouais, en termes de jeu en lui-même, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Il y a eu du bon taf. Il y a eu du bon taf. Et j'ai tellement hâte de faire la suite là. Ça va être en Italie. Ah, nice. Oh oui, dans les Alpes italiennes. Ah, mais voilà. Voilà. Nice. Nice, nice, nice. Là, je pense que ça va plus être du... Enfin, oui, de toute façon, c'est les Italiens, donc c'est sûr que ça sera du... De l'infanterie. Ok. Ben, c'est bien cool. J'espère que vous kiffez autant que moi. J'espère que vous kiffez autant que moi. Voilà, je sais pas où je vais faire les petites coupures, là. Pour vous laisser, soit si je vous mets du suspense ou pas. Mais voilà, donc on se retrouvera pour le prochain épisode, pour la suite, pour Aventi Savoia, Aventi. Je sais pas comment le dire, hein, je veux pas offenser des Italiens parmi vous. Donc ça, là, on va changer, on va passer de l'avion à petite randonnée pédestre. Mais ça va être sympa. J'espère que vous kiffez vraiment l'aventure. Hésitez pas si vous avez kiffé à me le montrer en mettant un pouce. À laisser un com. Pareil, si vous avez des trucs, hein, je reviens là-dessus, des trucs à dire par rapport à ces événements qui sont passés, si vous avez des correctifs à... Bon, je vous avoue que je pense que le fait qu'un avion se crache sur un dirigeable et le mec finit à pied, je pense que ça n'est pas arrivé dans la vraie vie. Ça serait le feu. Hein. Si ça arrivait, ça serait le feu. Ça, je pense pas. C'est pour le spectacle, ça reste un jeu vidéo. Mais n'hésitez pas, voilà, à donner des infos. Mais n'empêche, comment il s'appelait, Blackburn? Bah, il avait des, pardonnez-moi le jeu de mots, mais il avait des sacrés burnes, hein, quand même. Hein. Parce que, bon, ok, il a volé l'avion, mais bon, je pense que c'est un pilote de type pro.
Et puis même à la fin là où ils ont sauté en mode bon bah soit on atterrit dans c'est quoi c'est la Tamise c'est la Tamise la rivière enfin la rivière oui à Londres je ne sais plus c'est peut-être même en Afrique la Tamise je sais pas je... non il me semble que c'est la Tamise bref vous me direz ça mais sacré burn hein, faut le dire hein, sacré Blackburn pour sauter en mode hey, soit je tombe dans l'eau soit bah, soit je meurs en fait tout simplement et déjà même dans l'eau bon si on fait un plat c'est terminé enfin bref là je dis n'importe quoi en blablate. On se retrouve très vite. J'en bafouille. Là, je suis tellement en fin de session. Là, je suis tellement foufou là. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure avec les Italiens. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, bah, d'ici là, des bisous. Portez-vous bien. Et à très très vite. Allez, ciao.